Il me dit, jette un coup d'œil. Juste un coup d'œil. Moi, je voulais pas. Mais j'ai quand même regardé son papier. Qu'est-ce que tu vois? Une tache d'encre. Une grosse tache d'encre. Une tache d'encre? Regarde mieux. Une tache d'encre avec des petits points tout autour. Voilà. Ouais. C'est terminé? Non. Attends, Charlie. Tu vois pas une image? Une image cachée dans la tache. Les autres, ils voient une image. Toi, tu vois rien. Non? Mais s'il y a une image dans la tâche, je vais la voir. Je ne suis pas plus bête qu'un autre. Tu sais ce qu'on va faire, Charlie? Tu vas penser. Ferme les yeux et pense. Je vais penser. Tu penses à quoi? À une tâche d'encre. Il a l'air triste, c'est pas ça? Bon. Puis je continue à penser. Arrête de penser. Imagine plutôt. Il a vraiment envie que je réussisse le test. Il y met du sien. Imagine quelque chose en partant de cette tâche. Ce que tu veux. D'accord? D'accord. Moi aussi, je vais y mettre du mien pour lui faire plaisir. Je referme les yeux, comme pour penser. Mais je les referme plus fort. Et pour imaginer. Fort, très fort. Le plus fort possible. Et j'attends d'imaginer. J'imagine un gros stylo qui coule partout et mettre de l'encre partout sur une feuille. Il a l'air encore plus triste. J'écris tout ce qui me passe par la tête. Il me passe pas grand-chose, mais quand même, j'écris tout. Sur un cahier. Je sais écrire. Enfin, j'apprends à écrire. Dans la classe d'adultes de Mademoiselle Kinyan. Mademoiselle Alice Kinyan. J'écris bien. Enfin. Avant. Oui. Pas comme avant. Maintenant, j'écris bien. C'est une petite classe avec des gens comme moi, qui sont pas très forts. Il y en a même qui sont pas très malins. Et qui s'en fichent. Moi, j'aime ça. C'est ça qui est important, m'a dit Miss Kinyan. Ta motivation est grande, Charlie. Elle dit que je suis son meilleur élève. Mais ça, je crois que c'est vrai. Je crois que je suis son meilleur élève. C'est pour ça qu'on m'a fait passer un test avec des tâches d'encre. J'ai rien compris au test. Et je crois pas que j'ai réussi. Ceux qui réussissent le test, ils voient l'image dans la tâche. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être comme image? Moi, j'ai vu qu'une grosse tâche d'encre. Mais quand même, ouais. Les docteurs Strauss et Nehmer, ils m'ont dit qu'ils me prendraient peut-être pour faire une expérience. Parce que ma motivation est grande. Miss Kinyan dit que vous êtes le meilleur de la classe. Vous avez vraiment envie d'apprendre, n'est-ce pas? Oui. Ah oui, c'est vrai. Ça, j'ai envie. Alors, il faut bien noter sur un cahier tout ce qui vous passe par la tête. D'accord? D'accord. Mais un petit cahier, alors. «
Tu vas faire un jeu, Charlie. Une course. Une course avec la souris. Je te présente Algernon. Il me la présente comme si c'était quelqu'un. Bonjour, Algernon. Elle n'a rien répondu. Évidemment, c'est une souris. Elle est dans une petite boîte. Qu'est-ce que je fais là? On me donne un papier, un crayon. Sur le papier, tout un tas de cases, de lignes. D'un côté, il y a écrit « départ », de l'autre « arrivée ». On me dit que c'est un labyrinthe, oui. Algernon et toi, vous avez le même labyrinthe et vous allez faire la course. Pour que ça soit juste, il faudrait que elle aussi elle ait un papier, un crayon, mais ça, je dis rien. Je veux pas me faire remarquer. Un des hommes en blouse blanche, il a une grosse montre. Il arrête pas de la regarder. Mais j'ai compris, en fait. C'est pas un jeu. C'est un autre test. Il dit déjà que j'ai raté l'image dans la tâche. T'es prêt? Oui. Top! Au moment où il dit top, il appuie sur sa grosse montre. Algernon, je la vois pas, mais ça gratte de tous les bords. Elle aussi, elle émet du sien. Moi, avec mon crayon, je suis perdu. Je fais un trait, c'est pas ça. Si je peux pas revenir en arrière. Je suis perdu dans le labyrinthe. Il n'y a personne pour me dire mon chemin. Top! T'as perdu. T'as perdu qui me fait le gant en blouse avec la grosse montre. Algernon est arrivé avant. Tu veux recommencer. 10 fois on a recommencé. Avec 10 labyrinthes différents. 10 fois Algernon est arrivé avant. Ça, je pensais pas que ça pouvait être si intelligent une souris blanche. Vraiment, je pensais pas. Ils vont m'utiliser. Pour leur expérience, ils vont m'utiliser. Je suis tellement excité, j'arrive plus bien à... Maintenant, j'en ai des choses qui me passent par la tête. Ils sont tous les trois dans le bureau. Mademoiselle Kenyan, qui est toujours gentille. Le docteur Strauss, qui est aussi gentil. Et le docteur Nemur, qui est gentil aussi, mais moins. Lui, il veut pas qu'on m'utilise. C'est vrai que j'ai raté tous les tests, oui. L'image dans la tâche, la course avec la souris. Si Charlie Ledoux a quelque chose d'essentiel, dit, ça c'est le docteur Strauss, la motivation. En les écoutant, j'apprends que Algernon et moi, on a plein de choses en commun. D'abord le QI, 68. Ça, moi, je ne savais pas que j'avais un QI. Et aussi la motivation. Algernon, sa motivation, c'est le fromage. Moi, c'est pas le fromage. J'en ai pas mangé cette semaine. Nemur, il dit qu'il faut pas se tromper. N'oubliez pas que c'est le premier homme qui aura son QI triplé par la chirurgie. Moi, mais je ne savais pas que j'avais un QI. Et maintenant, il va tripler. Tripler, ça veut dire 3 fois plus. Les gens de son niveau mental, dit Strauss, ils sont rarement comme lui. Lui, c'est moi. Hein. Ils sont hostiles, ils veulent pas apprendre. Lui, il veut bien faire.
Lui, c'est encore moins. C'est la première fois qu'on parle autant de moi. Et mademoiselle Kinyan, qui dit apprendre à lire, à écrire, à son âge, avec son QI, ça démontre une intense motivation. C'est comme si vous et moi, on essayait d'apprendre la relativité d'Einstein sans se faire aider. Ça, je comprends pas ce que ça veut dire. Mais je comprends mais que c'est gentil. Le docteur Neymar dit, alors d'accord, si vous êtes sûr de vous, prenons Charlie Leloup. J'ai bu. Je vais tout noter dans mon cahier. L'expérience, c'est une opération. Et l'opération, c'est ce matin. On m'a rien donné à manger. J'ai demandé, on m'a rien donné. Je vois pas pourquoi manger empêcherait de devenir intelligent, mais c'est comme ça. Quand je suis venu à l'hôpital ce matin, un chat noir a traversé la route. Juste devant moi. Bien sûr, j'ai ma patte de lapin, mais est-ce que ça va suffire? Oui, j'ai un petit peu peur. Parce qu'en plus, on m'a souhaité bonne chance. Et ça veut dire que j'ai besoin de chance. Oui, pour l'opération, certainement. Et le professeur Neymar dit qu'il faut faire confiance à la science. Je lui ai demandé si après l'opération, je battrais Al-Shannon, la souris blanche. Il m'a dit peut-être, si l'opération réussit. Si l'opération réussit, tu seras même plus intelligent que la souris. Beaucoup plus. Moi, si déjà je suis comme elle, déjà je trouve ça pas mal. Déjà. J'ai faim. Un petit morceau de fromage, ça m'irait bien. J'ai rien senti. Ils ont fait l'opération pendant que je dormais. Puis du coup, j'ai rien senti. Pas bête. Ils ont retiré les bandages. Ils avaient l'air contents. C'est pas qu'ils rigolaient et tout, mais ils étaient contents. Et le professeur Neymar à regarder mon cahier, tout ce que j'écris, tout ce qui m'arrive. Ils trouvent que j'écris mal. L'orthographe, surtout. Il faut bien mettre la date en haut à droite de la feuille à chaque fois que j'écris, pour qu'on voit les progrès. Le professeur Strauss trouve que c'est bien que j'écrive tout ce qui m'arrive, mais que je pourrais aussi essayer d'écrire ce que je ressens, ce que je pense. Alors moi, j'ai déjà essayé de penser avec la tâche. Et c'était pas très réussi.
J'ai réessayé depuis, mais rien. Du coup, j'ai écrit dans mon cahier que j'arrive pas à penser. J'espère que ça ira. Maintenant que je vais devenir intelligent, je sens bien qu'il va falloir que je pense. C'est ce qu'ils attendent tous. Et ça me rend nerveux. À quoi ils pensent les gens intelligents? À des choses intéressantes. Oui, mais c'est quoi des choses intéressantes? Moi, j'en connais pas. J'aimerais bien en connaître. Il se passe rien. Franchement, moi je vois pas la différence avec avant. Je fais des tas de tests, des courses et tout, et cette saleté de souris me bat à chaque fois. Le professeur Nemur, il veut que je continue à faire tous ces trucs, mais il se passe rien. Algernon aussi. Elle a mis longtemps avant de devenir trois fois plus intelligente. Parce qu'elle a eu la même opération que moi. Ben, en attendant, rien. C'est ce que j'ai mis dans mon cahier. Oui, ben, il se passe rien. J'ai bien mis la date, comme on m'a dit, et j'ai écrit... Il se passe rien. Et du coup, je suis retourné travailler à l'usine. Une usine de plastique. Ça pourrait être une usine de n'importe quoi, ça changerait rien. Je nettoie les toilettes. Et je dois rien dire sur l'opération. Oui, j'ai écrit dans mon cahier que j'étais content de revenir à l'usine. Oui, c'est ce que je pense. Moi, j'aime bien mes copains à l'usine. Il me manquait. Regardez, Charlie, on lui a rajouté de la cervelle. C'est parce que j'ai une cicatrice sur le côté de la tête. Joe dit ça pour rire à cause de la cicatrice. En fait, c'est comme s'il avait deviné. Il est intelligent, lui. Ouais. Charlie, t'as oublié ta clé? T'as ouvert la porte avec ta tête? Ça, c'est mon autre copain, Franck. Ouais. C'est une autre blague pour rire, toujours à cause de la cicatrice. Tout le monde rigole bien à l'usine. Moi aussi, ouais. Et moi, je vais pas retourner à l'hôpital. Non, pour ça, je veux plus faire la course avec Algernon. Mais c'est ça, quelque chose d'un peu triste de se faire battre par une souris. Le docteur Nemur est d'accord. On arrête les courses pour l'instant. Mais en échange, tu vas écouter ces cassettes pendant que tu dors. Quelqu'un parle, tu auras l'impression de ne rien comprendre, Charlie. Mais pendant que tu dors, tu vas emmagasiner tout un tas de connaissances. Bon, il m'a vu, il m'a donné une boîte que je posais à côté de mon lit. Il faut que je dorme avec un type qui me parle dans l'oreille toute la nuit. Mais en fait, je dors pas. Il faut me retirer de ce type et je peux pas dormir.
plutôt que de devenir intelligent la nuit, est-ce que je pourrais pas retourner dans la classe d'adulte de Miss Kinyan, histoire de devenir intelligent le jour? Parce que depuis l'opération, j'y vais plus. Et ça me manque. La classe me manque. Mademoiselle Kinyan aussi me manque. C'est elle qui vient à l'hôpital pour un cours particulier. On est juste tous les deux. Je peux lui poser toutes les questions que je veux. Je lui parle du type qui m'empêche de dormir. Elle me montre comment le mettre moins fort. Merci, Miss Kinyan. Merci, Mademoiselle Kinyan. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Vous avez de beaux cheveux. J'aime bien quand ils tombent sur vos épaules, mais ça j'arrive pas à le dire. Top. J'entends les pattes d'Algernon qui grattent sur le carton. Mais moi aussi, ce coup-ci, je vais vite. Et puis, je me trompe pas. Je sens que je me trompe pas. Attention, Algernon, dépêche-toi, ma vieille, sinon... Gagné. J'ai battu la souris. Non, c'est vrai. J'ai battu Algernon. Il est content, Hugo, aussi. C'est vrai, j'ai battu Algernon. On refait tout de suite une course. Je l'ai battu 8 fois. Je dois commencer à être intelligent. Et, ben oui, pour battre une souris aussi intelligente que Algernon. Alors j'ai pris Algernon dans ma main. Pour la caresser. Et aussi un peu pour faire comme deux champions qui se serrent la main ou la patte. Elle était toute douce, comme une boule de coton. Moi, je veux lui donner à manger, mais Hugo me dit que non. Pour manger, Algernon doit réussir un test, chaque jour plus compliqué. Oui, c'est la première fois qu'une souris reste intelligente aussi longtemps après l'opération. Tous les jours, on lui apprend quelque chose. Moi, il me fait un peu de peine. Je trouve pas ça juste d'avoir à faire un test pour manger. Et puis surtout qu'elle a rien demandé, elle n'a pas demandé à être là. Il y avait exactement 365 jours que je vivais sur cette île déserte, sans autre compagnon que mon chien et ma chatte, sans autre secours que mon ingéniosité. Un type tout seul sur une île déserte. Il est tellement intelligent qu'il invente tout un tas de trucs pour manger, pour avoir de l'eau, pour... C'est un livre qu'on est en train de lire avec Mademoiselle Kinyan. Rudement difficile. J'ai jamais lu si difficile. Moi, à la place de Robinson Crusoe, ça, j'aurais été très embêté. Je me demande même si j'aurais lutté. À quoi bon survivre tout seul? Pourquoi? Miss Kinyan, elle n'est pas d'accord. Elle pense que, quoi qu'il arrive, il faut toujours lutter. On ne sait jamais.
D'ailleurs, Robinson Crusoe a raison de se donner tout ce mal, puisque finalement, il sera pas tout seul sur l'île. Mm-mm. Sur le livre, il y a une image où il est avec un drôle de chapeau sur la tête, en train de regarder une empreinte de pied sur la plage. Mais donc, il y a quelqu'un d'autre. Les points, les virgules, les points-virgules, l'apostrophe, c'est une virgule qui a décollé. Moi, je mets jamais de ponctuation quand j'écris. Je suis jamais. Miss Kinian dit que ça rend les lectures fastidieuses. Fastidieuses. Mmh. Je l'ai appris aujourd'hui. J'apprends plein de mots nouveaux comme fastidieuses. Je me les répète et puis j'apprends à les écrire. J'avais aucune idée du nombre de mots qui existent. Il y en a qui sont bizarres. Rodomontade, giboulé, rebuffade avec deux feux, obol, ricanement. Je commande un très grand soda. Et je le bois d'une traite, j'ai soif. Mais là, il a un drôle de goût. Pas comme d'habitude. Dans le bar, il y a Joe, Franck, Hélène, et puis d'autres gens de l'usine. Et tout d'un coup, ma tête a commencé à tourner. Joe dit, Charlie, on va t'apprendre à danser. Hélène montre à Charlie comment on danse. Moi, je n'ai pas envie d'apprendre à danser, mais tout le monde trouve que c'est une bonne idée. Alors, Hélène et moi, on a commencé à danser. Bravo, Charlie. C'est Fred Astaire. Plus vite, c'est mou. Je tourne. Avec ma tête qui tourne aussi de plus en plus vite. Et je sais pas comment m'arrêter. Quelqu'un tend une jambe au travers de mon chemin et je tombe par terre. Je m'affale comme un sac. Juste le temps de lâcher Hélène. Oui, pour pas la faire tomber avec moi. Je reste par terre, comme ça. Un peu à quatre pattes. Sans pouvoir me relever, mais tellement ça tourne. Et j'entends des rires autour de moi, de plus en plus forts. Il est tordant d'une fille. Regardez-le, il sait plus où il est. Joe? Pourquoi il rigole tous? Une chose étrange. Un grand vide. Un creux à l'estomac. Puis je sais plus où me mettre. Je rentre chez moi. C'est drôle que je me sois jamais rendu compte que je le faisais rire parce que j'étais bête. Comme quoi, il y a du changement depuis l'opération. On avait parlé de travailler à l'usine ce matin. J'ai téléphoné à mon chef pour lui dire que j'étais malade. Pas très envie de voir mes collègues de travail. Pas très envie non plus de nettoyer leurs chiottes. Dans le vent, mon sort est plus tragique que le tien.
T'as pété jamais été une souris stupide parmi des souris normales. T'as pas connu la honte d'être bête. T'as pas de Franck ni de Joe dans ta cage. T'es passé de normal à génial. Elle me regarde avec ses petits yeux noirs cerclés de rose. Et j'y vois de la tendresse. De la compréhension, même. Pour ça, je vais évidemment en parler à personne. Tout le monde s'accorde à dire que je progresse à pas de géant. Je ne vais pas leur dire que j'ai vu de la tendresse dans les yeux d'une souris, même géniale. Mais j'ai bien l'impression qu'on se comprend, elle et moi. Bon, on fait plus de courses ensemble depuis longtemps. Je l'ai dépassé. Oui, le docteur Nemur veut que je repasse le test de la tache d'encre. Oui, c'est le même type que la dernière fois qu'il m'a fait passer le test. Je le trouve antipathique. Et je sais pas pourquoi je suis si nerveux. Et je sais pas si je vais devoir une image, des images, la bonne image. Ou si c'est un truc. Un truc pour voir si je suis assez bête pour chercher quelque chose d'inexistant. Oui, bien sûr que tu te rappelles. Eh bien, je voudrais que tu regardes ceci. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je regarde la carte sans rien dire. J'attends qu'ils s'impatientent. Eh bien, qu'est-ce que ça pourrait être pour toi? Que vois-tu sur cette carte? Dis ce qui te passe par la tête. Et comment ça, ce qui me passe par la tête? Vous voulez dire qu'il y a... Il n'y a pas d'image dans la tâche. Faut pas que je retrouve l'image. Quoi? Il dit quoi en retirant ses lunettes et puis en se frottant les yeux, comme la dernière fois? Comme s'il était très fatigué ou comme quand on s'ennuie. Oui. Mais j'aime pas du tout ce type. La dernière fois, vous m'avez dit que tout le monde pouvait les voir, les images dans la tâche. Tout le monde, sauf moi. Je ne crois pas, Charlie. La dernière fois, il me semble avoir utilisé à peu près les mêmes mots. C'est pas vrai. Ça, vous m'avez menti pour vous foutre de moi. Comme Franck et Joe. Qui sont Franck et Joe? Et puis ça, je l'ai pas lui expliqué, il n'aurait pas compris. Et comme il voulait des images, je lui ai donné des images. Ça me fait penser à deux types qui se battent avec un sabre. Celle-là me fait penser à deux chauves-souris qui tirent sur quelque chose. Ça, il avait l'air content cette fois. Ça me fait penser à une famille en train de pique-niquer au bord de la plage. Ça me fait penser à une femme de 42 ans, récemment divorcée, qui promène son pilou. Mais son chien s'appelle Pilou. Ça se voit tout de suite. Il m'a regardé fixement, sans retirer ses lunettes cette fois. Non, pardon. Pardon. Son chien s'appelle Edgar. C'est son ex-mari qui s'appelle Pilou. Tu te moques de moi, Charlie? Ça m'a fait du bien. C'est injuste, je sais, mais ça m'a fait du bien.
Ça va faire 3 mois que j'ai été opéré. Mes progrès sont stupéfiants. Je pense que Strauss a raison de ne pas vouloir publier les travaux. Nous n'avons pas encore toutes les garanties pour qualifier l'opération de succès. Je leur ai demandé de ne plus m'emmerder avec leur cahier. J'écris plus rien sur ce cahier. J'ai plus le temps. Trop de choses à lire, à étudier. La géographie, l'histoire, les mathématiques, la physique, j'apprends. J'apprends, j'apprends. J'ai toujours des cassettes qui tournent la nuit, mais cette fois, c'est pour apprendre des langues étrangères. Je travaille aussi ma mémoire photographique. Après avoir lu un livre, je ferme les yeux, des pages entières me reviennent. C'est extraordinairement pratique. J'ai l'impression de me déplier l'esprit. Comme une immense feuille de papier. C'est maintenant un vaste territoire à conquérir, j'en vois déjà plus les limites. J'ai suggéré au directeur de mon usine, M. Donegan, une nouvelle disposition pour les machines, beaucoup plus rationnelle. Il a compris que ça devait lui faire gagner de l'argent, beaucoup d'argent. 100 000 dollars par an, m'a-t-il dit en économie de main-d'œuvre. Il m'a offert une prime de 25 dollars. M. Donegan me prend pour un imbécile, mais ça ne me gêne pas parce que maintenant je m'en rends compte. Viré. Donc tous signer la pétition pour que ce soit viré. Même Monsieur Donegan. Tous signés. Sauf Fanny Gendreau, la dame de la compta. Ça, elle a pas signé. Elle a tenu bon, malgré les menaces, les pressions. Ce qui ne veut pas dire que je ne te trouve pas étrange, Charlie. Tu étais sympathique, digne de confiance, peut-être pas très vif d'esprit, mais honnête. Qui sait comment tu t'y es pris pour devenir si intelligent d'un coup? Comme dit tout le monde ici, c'est pas normal. Comment on peut dire ça? Pourquoi quelqu'un aurait tort de devenir intelligent? De vouloir acquérir des connaissances, de vouloir comprendre le monde qui l'entoure? Non, je quitte l'usine. Ça me fait un peu de peine d'ailleurs, parce que j'ai pas vraiment d'autres amis au fond. Le docteur Strauss et Nemur sont très brillants, mais bon, on n'a pas ce genre de rapport. Il y a Hugo. Le type qui me faisait passer les tests avec Algernon est gentil, mais... Pas très futé. Non. Désormais, je suis tout seul. Reste Mademoiselle Kinyan. Je l'ai invité à dîner. Un restaurant très bien. Un peu romantique. Mademoiselle Kinyan est quelqu'un de raffiné. Vous n'allez pas l'emmener dans n'importe quel restaurant. La vérité, c'est que j'ai choisi un restaurant un peu romantique. Elle sort une cigarette. Je l'allume avec une des bougies. On parle beaucoup de mes progrès. Elle me dit que mes capacités intellectuelles ont dépassé les siennes. Elle me dit que j'ai jamais été bête, mais simple. Ouais, simple. C'est le mot. Un peu comme un enfant qui connaîtrait rien du monde. Elle me dit que j'ai atteint un palier dans mon développement, mais qu'il y en a encore bien d'autres. Elle me dit plein de choses, mais je l'écoute pas. Et si j'étais moins timide, je dirais qu'elle a de beaux cheveux. De beaux cheveux bruns clairs. Qu'elle ne cesse de chasser derrière son épaule. Un mouvement circulaire de la tête. Comme ça. Au cours de la conversation, insensiblement, ils finissent par revenir pour couvrir une partie du visage. S'ils mettent trop de temps, elle les aide un peu. Et les cheveux traînent là, posés un instant sur la poitrine. Puis un nouveau mouvement les renvoie en arrière. Puis le manège peut recommencer. Et Mademoiselle Kinyan dit... J'espère que je n'ai pas eu tort de t'engager dans cette voie. Tort? Pourquoi? Ça a marché, non? Même Algernon est restée intelligente. Elle me regarde, sans rien dire.
J'oserai jamais l'embrasser. J'oserai jamais lui faire l'amour. Je mets ma main dans ma poche, je tombe sur ma patte de lapin. Merci Charles pour ce dîner. Elle m'appelle Charles. Non plus Charlie. J'ai perdu lui. Privilège de l'intelligence, sans doute. Je suis plus le gentil Charlie. Mais Charles. Madame Némur m'a invité à dîner. Pour fêter ça. Fêter quoi, je sais pas. Il y aura le professeur Strauss et son épouse, plus un autre couple que je connais pas. J'arrive à l'heure. J'ai la sale manie d'arriver à l'heure, ce qui fait de moi systématiquement le premier convive. J'arrive avec un bouquet de fleurs et une bouteille de vin. Et j'ai pas pu me décider, ce sera un cadeau pour elle, un cadeau pour lui. C'est d'ailleurs bien comme ça que mes présents sont répartis. Sans qu'il soit besoin de préciser quoi que ce soit, elle... Elles sont magnifiques, fallait pas. Lui, merci Charlie, c'est très sympa, je vais l'ouvrir tout de suite pour la faire respirer. Ils disparaissent dans la cuisine, je reste seul. Respire, petit vin, respire. Moi, je prends possession des lieux. Je découvre l'endroit, c'est la première fois que je viens. Un salon, tout ce qu'il y a de plus classique. Un faux désordre règne sur la grande table basse et carrée. Les tables de salon trahissent souvent leurs propriétaires. Une coupelle en onyx avec des galets en onyx, genre africain. Un cendrier propre avec tout le matériel du fumeur de cigares. Et bien sûr, des beaux livres, dont un peintre contemporain, une encyclopédie du design et un livre chic de photographie. J'ose pas m'asseoir. Les coussins du canapé sont comme des gros ballons gonflés. Si je m'assois dedans, j'ai peur qu'ils retrouvent jamais leur forme. Bon, je m'assois. Merde. Ils reviennent déjà. Madame Némur s'adresse à moi. Comme à la souris Algernon, avec le même ton. Elle jette un regard désespéré au coussin que j'ai gravement déformé. Ça va, Charlie? Oui. Tu es en avance? Non. Ça te dirait une petite partie d'échecs en attendant les autres? Le professeur Némur ne perd jamais une occasion de tester mes capacités intellectuelles. Il le fait en douce, l'air de rien. Une partie, avec plaisir. Au bout d'une dizaine de coups, il est déjà en difficulté. Défense Grunfeld. Il lève les yeux vers moi et me jette un regard torve. On sonne, c'est Strauss. On finira plus tard, Charlie. Il n'y a rien à finir, il a perdu. Il y a les Strauss et un autre couple que je ne connais pas. Tout le monde s'embrasse. Je lance un bras. J'écarte résolument l'option bise. Madame Strauss n'aurait pas été contre l'embrassade. Je l'ai sentie à ce très léger mouvement en avant qu'elle esquisse puis qu'elle réprime aussitôt. Du coup, j'avance à mon tour. Elle a déjà renoncé. C'est compliqué, la bise. Un moment d'hésitation, bise, pas bise. Allez, on y va, bise. On y va d'autant plus franchement qu'on a hésité. Nos têtes s'entrechoquent presque. Ça devait être une bise, c'est un coup de boule. Et qu'est-ce que je fais de ma main? Je la pose sur son épaule ou je la laisse pendre? Et si je la pose, il faut y aller. Franchement, je peux pas poser une main molle. Bon, je la pose. Et je fais un léger mouvement, comme une caresse. C'est beaucoup trop. Pour le nombre de bises, je me cale sur les autres. Deux. Madame Strauss est une femme, dont on dit. Elle a dû être très belle. Puis on ajoute, d'ailleurs, elle l'est encore. Un beau visage, conservé par le charme, l'intelligence. Elle est à cette limite où tout est encore possible, et quoi qu'il arrive, elle ne renoncera pas. Elle m'a toujours été sympathique, même avant. L'autre couple. La femme s'appelle Chris.
et elle porte une jupe noire, serrée. Son mari s'appelle Marc. Chris et Marco travaillent tous les deux pour une revue scientifique. Ils m'observent du coin de l'œil. J'aperçois maintenant les genoux de Chris. Sa jupe est remontée. J'aimerais bien qu'elle remonte encore. Elle a les jambes croisées. De là où je suis, je peux presque apercevoir le départ de la cuisse. Elle sent que je la regarde. Elle tire sur sa jupe pour la rallonger, pour empêcher mon regard de fouiller dessous. En vain. C'est bien pour moi qu'elle s'est habillée comme ça. Elle a dû faire des essais dans son salon, assise, les jambes croisées, pour s'assurer que c'était à la limite de l'inconvenance. Et ça lui plaît. À moi aussi. Champagne. Tout le monde est content, champagne. Moi aussi, j'aime pas le champagne, mais je suis content. Némer brandit sa coupe. Je lève mon verre à Charlie. Je m'occupe plus que ça. Et je vous annonce que nous allons bientôt publier les résultats de nos travaux. Ça jette un froid. Strauss n'est pas du tout d'accord. C'est impossible, c'est trop tôt. Comment ça, trop tôt? Mais parce que rien n'est définitif, tout peut encore arriver. Tout quoi? Une régression, la mort? Algernon va bien, très bien même. Oui, mais c'est une souris. On a déjà vu une expérience réussir sur une souris et pas sur un humain, souvent même. C'est inadmissible. Vous voulez me forcer la main? Mais je suis plutôt de l'avis de Strauss. Il faut rester prudent. Moi non plus, je n'ai pas encore averti tante Nissi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Charlie? Si on publie les résultats, tu vas devenir une vedette internationale du jour au lendemain. C'est pas à lui de décider, voyons. Strauss est hors de lui. Je prends mon manteau et je sors, sans dire un mot. Tu as pris du retard sur mes recherches fondamentales en mathématiques. Je corresponds avec différentes universités. Il y a tant d'esprits brillants à travers le monde. Je prends des cours, piano, violoncelle, composition. Le but, la direction d'orchestre. J'ai déjà mémorisé les plus grandes symphonies. Je connais chaque partie d'orchestre. Je prétends pas concurrencer les plus grands chefs, mais la musique est un domaine où l'esprit peut pleinement s'épanouir. J'aime faire du contrepoint. Mozart et Bach improvisaient des contrepoints jusqu'à 6, 7, 8 voix. C'est fantastique. Plus je progresse, plus les possibilités qu'offre l'esprit humain me semblent infinies. Là, je manque de temps pour tout lire, tout apprendre, je suis débordé. Comme je suis en plus salarié du labo maintenant, je dois participer à des congrès de neurochirurgie dans lesquels Strauss et Némur me traînent. Nous traînent, devrais-je dire. Algernon et moi. C'est très ennuyeux. Les spécialistes présents sont souvent médiocres. C'est soi-disant le dessus du panier. Le seul intérêt, c'est le cocktail qui suit. Je trouve que ces murs font les importants. Pendant ce temps-là, moi, je drague. Entièrement nouveau pour moi. Les femmes me regardent. Elles me regardent d'un œil allumé. Je suis pourtant d'un physique tragiquement quelconque. Oh, c'est autre chose. Mon esprit voit que ça. Tout à fait fondamental comme découverte. L'intelligence séduit. Oh, comme j'ai une mémoire prodigieuse, je trouve toujours quelque chose à dire. Sur tous les sujets. Certaines femmes sont mariées. Ça ne les rend pas moins séduisants, au contraire. Et qui je croise un soir, par hasard? Chris. Mon mari n'est pas là, il n'a pas pu venir. Elle me dit ça avec une gourmandise mal contenue. Au bout de 4 coupes, je vois qu'elle est prête à faire don de son décolleté à la science. Ce nom, à mon goût prononcé pour les mathématiques, j'essaie de déterminer l'équation des deux paraboles que dessine son corsage. Et son rire provoque une ondulation qui n'est pas sans rappeler les équations de Kepler. Non. Nous finissons dans le couloir de la chambre d'hôtel.
Arrête. Tu vas me décoiffer. T'inquiète pas. Aucune chance. Chris sera dorénavant tous les congrès. Surtout lorsque son mari pourra pas l'accompagner. C'est que je reste très inadapté. J'ai de plus en plus de mal à communiquer avec les autres. Heureusement qu'il y a les livres, la musique, la réflexion. La plupart du temps, je suis seul dans ma chambre. Je reste parfois plusieurs semaines sans parler à qui que ce soit. J'ai des dizaines de projets. Notamment une biographie de Gauss. Friedrich Gauss, un mathématicien allemand du 18e siècle. Il y a 8 ans, un jour, lorsque l'institutrice de son école, trouvant les enfants trop dissipés, décide de leur donner le problème suivant. Il faut calculer 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à 100. La maîtresse pense qu'elle aura la peine bonne heure. Quelques instants plus tard, un jeune garçon lève la main et donne le résultat. 5050. Elle lui demande comment il a trouvé aussi rapidement. C'est simple. Il additionne le premier et le dernier chiffre de la série. 1 plus 100, 101. 2 plus 99, 101. 3 plus 98, 101. Et ainsi de suite, 50 fois. Le résultat est donc 50 multiplié par 100 à 5050. On appellera Gauss le prince des mathématiques. Il donnera son nom à une courbe. La courbe de Gauss. Une courbe en forme de cloche. Une courbe en forme de cloche qui monte en pente progressive et arrivée à son point culminant redescend. De la même façon qu'elle est montée. Symétrique. Non. La seule personne que j'ai envie de voir, c'est Mademoiselle Kinyan. Elle me manque. Je l'ai de nouveau invitée à dîner. Le restaurant était mieux choisi. Moins ouvertement romantique. Chaleureux, mais sans ostentation. Par contre, ma conversation a été lamentable. Je lui ai parlé de mécanique quantique. Il me dit qu'elle n'y connaît rien. Ah bon? Quel dommage. Vous n'imaginez pas l'émotion que suscite chez moi la constante de Planck. Non. Sans lui, Einstein n'aurait jamais pu découvrir la théorie de la relativité. Sans doute. Vous vous rendez compte que sa thèse de 1879 sur la thermodynamique fait encore référence aujourd'hui? Je ne m'en doutais même pas. Quelle imbécile. Au lieu de lui parler d'elle, de nous, je l'ai raccompagnée chez elle. Nous avons marché dans le silence. Vous m'êtes précieuse. Doucement précieuse. Pourquoi doucement? Parce que votre présence me rassure, m'apaise. J'ai pas l'impression d'être différent avec vous. Je suis juste un homme comme les autres, intimidé par une jolie femme. Et j'effleure sa main. Alice ne bouge pas. Et je m'éloigne.
peur de la décevoir. Vernon m'a mordu. Tu es au labo lui rendre visite ce matin. Je l'ai prise, puis... m'a mordu. Hugo dit que son attitude a changé. Elle est perturbée, agressive. C'est lui qui la connaît le mieux, on peut lui faire confiance. Jour après jour, sa motivation baisse. Elle refuse de courir dans son labyrinthe. Elle n'arrive plus à résoudre le problème du cadenas. On lui donne quand même à manger. On sait tous ce que ça peut signifier. Tout le monde y pense. Personne n'ose le dire, mais je surprends des regards inquiets, méfiants. Némur ne cesse de me répéter que le comportement d'Algernon n'est pas révélateur. Son regard fuyant me porte à croire tout le contraire. Depuis, je m'observe. Je me scrute. Je me langue de l'intérieur. Moindre détail est un motif d'inquiétude. Est-ce que j'ai faim? Pourquoi suis-je fatigué? Je vais devenir fou. Il faut absolument que je continue à travailler. Je décide de laisser tomber tous mes autres projets. Je me consacre exclusivement à la poursuite des recherches de Strauss et Némur. Avec tout le respect que je dois à ces excellents scientifiques, leurs limites sont patentes. S'il y a une solution, je suis le seul à pouvoir la trouver. Il faut que je presse le pas. Il faut que je... Taisez-vous. Taisez-vous. J'ai besoin de calme pour me concentrer. Je supporte plus d'entendre Strauss et Némur jacasser comme des bonnes femmes. Ils sont jamais d'accord. Au lieu de chercher, ils s'engueulent. Ils n'ont aucun sang-froid. On a mis un laboratoire à ma disposition exclusive pour continuer mes recherches. Je suis sur une piste, je sens. Il faut que je trouve les raisons de la régression d'Algernon. Il faut que je sache s'il va m'arriver la même chose et quand. Némur vient me voir. Il est impossible en quelques semaines d'accomplir ce qui nécessite une vie entière de recherche. Moi, j'en ai les capacités, professeur Némur, pour l'instant. Alors laissez-moi travailler. Non. Non, je ne suis pas devenu irritable. C'est pas vrai. Non, je travaille beaucoup, je suis juste fatigué, c'est tout. Il faut que je presse le pas. Plus le temps de dormir. D'ailleurs, je suis devenu insomniaque. Je vagabonde seul en espérant que le sommeil m'assomme. De sales idées tournent dans ma tête. Parfois, je me réfugie chez Alice. Nous nous regardons. Je ne dis rien, j'ai rien à dire. Entre elle et moi, c'est une catastrophe de silence. Je vais voir Algernon tous les jours. Son activité motrice est maintenant atteinte. Réduction générale de l'activité glandulaire, perte accélérée de la coordination, forte indication d'amnésie progressive. Selon toute vraisemblance, ma dégradation mentale va s'accélérer. J'ai sorti mon cahier. Il faut laisser une trace de mon déclin. Il n'y a plus qu'à attendre quel moment. Il me reste une chose à faire avant qu'il soit trop tard. Je vais voir Alice. Elle pose doucement sa main sur mon visage et je l'embrasse.
Je suis venu te dire au revoir, Alice. Non, je veux te retenir près de moi. Reste avec moi, Charles. Et nous avons fait l'amour. La dissection d'Algernon a confirmé mes hypothèses. Son cerveau avait perdu du poids, et ce, de façon significative. De plus, comme j'ai décrit dans mon rapport, il s'est produit un nivellement général des circonvolutions cérébrales, parallèlement à un approfondissement de la scissure interhémisphérique. Voilà. Voilà ce qui est en train de m'arriver. J'ai devant moi le stade terminal de l'évolution. Mon cerveau perd du poids. J'ai mis Algernon dans une boîte à fromage et je suis allé l'enterrer dans la cour, derrière le labo. Et j'ai pleuré, comme si elle était de ma famille. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vous, professeur Strauss? Qu'est-ce que vous voulez, me consoler? Tirez-vous d'ici, je veux pas vous voir. Tout est normal, rassurez-vous. La dégringolade continue. Dévale l'autre versant de la pente à toute vitesse. Vous pouvez vous en aller! J'oublie tout. Alice qui vient frapper à ma porte. À chaque fois, je lui dis de revenir plus loin. À chaque fois, je lui dis de revenir plus tard. Va-t'en, laisse-moi. Je deviens distrait, irritable, susceptible. J'ai voulu relire Paradis perdu de John Milton. Je me souviens de l'avoir tellement aimé, ce livre. Et aujourd'hui, j'en comprends plus un mot. Les partitions. Des centaines de feuilles couvertes de pattes de mouche posées sur des lignes. J'entends plus la musique. J'entends plus rien.
poste à longue vue. Je remène toujours la même idée. Hein? J'ai tellement tourné dans ma tête qu'elle ça, elle est bien ronde, toute lisse. Elle présente que des avantages, aucun inconvénient. Elle roule doucement d'une tempe à l'autre. Je me suicide. Je me brûler le cerveau avant qu'il rapetisse. Rien laisser à strausser les murs. Ah, Alice, oui, pas de preuves. Fini les recherches, fini les conclusions, les rapports. Regarde, Alice. C'est le printemps. Ça déborde de partout. Et moi, je me recroqueville. Je me nécrose. Tout me glisse entre les doigts. La plupart des livres sont trop difficiles, je les comprends plus. J'ai même du mal à former mes mots quand j'écris. L'orthographe. Tu te souviens que c'est toi qui m'a appris l'orthographe. Je suis obligé de regarder des mots tout simples dans le dictionnaire. Ça me met pas en colère. Ça me met en rage. Alors je ne le regarde pas. Je redeviens simple. Pas bête, simple. C'est toi qui me l'as dit. Mais c'est pas plus rassurant. Hein. Oh, faut pas te sentir coupable, Alice. Le docteur Strauss aussi, il est désolé. Il voudrait savoir ce qu'il peut faire. Il n'y a rien à faire. Puis j'étais d'accord. Vous connaissez le risque. Non, t'as raison. Vous connaissez rien du tout. Tu as fait comme on m'a dit. Ouais. J'étais comme une souris. Mais évidemment, une souris, c'est moins grave. T'en fais pas, ça va aller, Alice. Ça va aller. Au revoir, Muskinian. Monsieur Donegan a été gentil. Il a bien voulu me reprendre à lui. Il m'avait remplacé, mais il m'a repris quand même. Ouais. Je lui ai expliqué ce qui m'est arrivé. Que j'étais intelligent, puis c'est fini. Il a posé sa main sur mon épaule et m'a dit « T'es du grand, Charlie. Il est gentil. » Pendant qu'il me parlait, moi, je caressais ma patte de lapin dans ma poche. Tu sais, pour être sûr qu'il me reprenne. Ça va, ça a marché. Et le gars qui m'a remplacé était pas content. Quand je suis descendu chercher mon balai, ma serpillière, il m'a dit, Charlie, paraît que t'étais un vrai génie. Alors, dis-moi quelque chose d'intelligent, parce que j'ai du mal à le croire. Joe Carp l'a attrapé par le col. Et je lui ai dit, laisse Charlie tranquille.
Sinon, t'auras affaire à moi. Espèce de minable. Ouais. Oui, il a pris ma défense. Ouais. Ça. Mais c'est mon ami. Après, j'ai tout nettoyé bien. Ah. Bon. Pour qu'on soit content de moi. À la fin de la journée, Franck aussi est venu me dire que si on m'embêtait, ben je viens de le voir. Lui ou Joe. Et qu'il lui réglerait son compte. Ça m'a ému. Ça. Ouais. Tout va bien. Oui, je retrouve mon travail et mes amis. Aujourd'hui, c'est dimanche. Moi, je vois des gens par la fenêtre qui vont à l'église. J'entends les cloches aussi, qui les appelle. Moi, j'ai dû rester allongé une semaine. Quelqu'un frappe à ma porte. Qui ça peut bien être? Oui, personne vient plus depuis longtemps. On frappe encore? Qui c'est? C'est Anthony G. D'ici, on tient à rapetisser. Toute frêle, toute faite avec du bois mort. J'ose pas la serrer trop. Quelqu'un l'a appelé pour la prévenir. Mademoiselle Kinyan, un coup sûr. Alors, Charlie. Il paraît que t'es intelligent, maintenant. Oh, on t'a dit ça. Oui, je suis passé à l'usine. Ah oui. Ça se voit, tu sais que t'es plus intelligent. Ah oui. Puis ça m'a fait plaisir, parce que... Ben parce que des fois, t'étais pas très malin, tu sais bien. Oui, je sais bien. Oui. Il paraît que tu restes allongé toute la journée. Sauf pour mettre des fleurs sur la tombe d'une souris, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas normal de faire ça, Charlie. Oui, mais tante Nessie, elle, Vernon, c'était pas une souris normale. Non, tu ne peux pas rester allongé sans rien faire. Ça te ressemble pas. T'es pas feignant. Je t'ai jamais vu feignant. Ou alors, t'es malade. Ça, c'est autre chose. T'es malade, Charlie? Non, je suis pas malade. Parfois, c'est vrai, j'ai très, très, très mal à la tête. J'ai un mal de tête à broyer les pieds. Mais c'est à cause de mon cerveau. Ben, faut demander à un docteur, il saura quoi faire. Non, il saura pas. J'ai voulu payer ton loyer, tu sais, mais quelqu'un avait déjà payé pour le. Qui ça? Une jeune dame avec des longs cheveux. Tu vois qui ça peut être, non? Moi, je suis vieille, Charlie. Je peux plus m'occuper de toi. Alors, si t'es pas malade, ben, faut que tu travailles. C'est pas parce que t'es devenu intelligent qu'il faut plus travailler. Alors, on a parlé encore longtemps, mais je sais plus de quoi. En partant, elle me dit, t'as pas changé, Charlie. Elle a repris son train. Elle disait qu'il l'attendrait pas. Alors que. Je voulais qu'elle se dépêche. Par pitié.
fait que je sache toujours lire et écrire. Je sais plus. Je sais plus très bien ce que j'ai fait. Mais je sais que j'ai été intelligent. Très intelligent. Ça, je ne l'oublie pas. Moi, je reçois des lettres d'université du monde entier. Je ne comprends rien, mais ils me connaissent pourtant. Si ça se trouve, ouais, je vais peut-être pouvoir être quand même plus intelligent qu'avant. Avant l'opération. Ah ouais. Ouais, ça sera pas tout perdu comme ça. Ouais. Tout pas pour rien. Ouais, j'ai du mal à lire, mais je m'entraîne. Ouais. Il faut que je m'entraîne pour lire les lettres de tante Nissi. Elles sont plus compliquées qu'avant. J'ai fait un truc idiot. L'autre jour, j'ai oublié que j'étais plus dans la classe d'adultes de mademoiselle Kimia. Je suis rentré. Je me suis assis à ma place. Elle m'a regardé avec un drôle d'air. La bouche un peu ouverte. Elle a dit « Charles ». Je suis prêt pour ma leçon, Miss Kinyan. Elle est partie en pleurant. Tout le monde m'a regardé dans la classe comme si c'était de ma faute qu'elle pleure. Bon, je reconnais personne. Puis je me suis souvenu. Bon. Je suis parti avant qu'elle revienne. Mais c'est drôle. Moi, je me rappelle pas qu'elle m'ait déjà appelé Charles. Jamais. Toujours Charlie. Moi, je veux partir. Ouais, je veux partir. C'est le mieux. Ouais. Dans un endroit où je connais personne, où personne sait que j'ai été un génie. Je vais prendre deux livres avec moi, tiens, pour bien m'entraîner à lire. Pour lire, relire, pour pas oublier. Robinson Crusoe et un autre. Robinson Crusoe qui est tout seul sur une île. Ça, je m'en souviens encore. L'autre livre, je n'ai pas encore décidé. Peut-être que je veux prendre qu'un seul livre. Peut-être juste Robinson Crusoe. Ouais. Ouais. Un livre, c'est bien. Donc, si je vais laisser. Je vais laisser mon cahier aussi. Je veux plus écrire dessus. J'arrive plus bien à écrire. Puis plus rien me passe par la tête.
Ça le donnera au professeur Strauss. C'est lui qui voulait toujours que j'écrive dessus. Je suis content d'avoir été intelligent. Je regrette rien. Puis, c'est ce que j'ai mis à la fin du cahier. J'ai rajouté un truc. Ce qui serait bien, c'est de mettre des fleurs sur la tombe d'Algernon dans la cour, derrière le labo. Parce que si vous avez le temps, j'ai bien un bâton. Parce qu'il y a la boîte à fromage qui est enterrée. Dans la cour. Rien, juste une petite fleur, quoi. Pas l'oublier trop. Ou sinon, quand vous passez, vous jetez un coup d'œil. Juste un coup d'œil, quoi. Pour pas l'oublier. Juste un coup d'œil. Malin. Mm-hmm.